C'est trop bizarre, pourquoi mon petit copain il me répond jamais? Ça fait depuis 2 jours qu'il est en train de me snober, il me ghoste ou quoi? Il veut me quitter, c'est ça? Je suis sûre, il a rencontré une autre meuf. Oh non, je suis sûre, il traîne avec Stéphanie. Mais pourquoi? Et ça fait 2 jours que je le vois plus à l'école. Oh Lydia, tu es encore sur ton PC portable? Il faut vraiment que t'arrêtes. Viens, descends en bas, ta mère et moi on a une grande annonce à te faire. Ouais, c'est bon, j'arrive papa, arrête d'attendre ici, ça me stresse. Descends en bas, je te rejoins dans une petite minute. De toute manière, tu n'auras pas vraiment le choix, sinon je vais couper Internet. Allez, descends en bas. De toute manière, mon copain me répond pas, donc ça sert à rien, je reste sur le PC portable, à part me stresser. Je suis en train d'essayer d'aller sur son Facebook, sur son Instagram, même sur son Twitter, pour savoir s'il a une activité, et rien! Non mais, oh, ça se fait, il est mort, et il faudrait peut-être que j'appelle la police. Oh, c'est pas grave, je vais descendre en bas, je vais voir ce que mes parents ont à me dire. En général, une grande annonce, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh non, j'espère qu'ils vont pas nous dire qu'on déménage! Ah non, 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 c'est mort, moi je déménage pas! Je reste ici, parce que j'ai tous mes amis, et j'ai tout le monde que je connais ici. Je ne déménagerai pas, quitte à rester dans la maison, je ne bougerai pas. Oh non, ça me fait peur. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer là-haut? Ouais, attendez, je m'assois là parce que j'ai un peu la flemme de rester debout. Ah chérie, tu es enfin arrivée. Allez, accouche-maman là, que je remonte dans ma chambre. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, en parlant d'accouchement justement, ça fait partie du sujet. Attendez, attendez, attendez. Ne me dites pas que... Non! Mais t'es bien trop vieille maman si tu parles d'un petit frère ou d'une petite sœur. Mais alors, c'est de quoi vous voulez me parler par rapport à coucher? Je ne comprends pas. Toi, après cette discussion, tu vas être punie, ma fille, hein, parce que ta mère, elle est pas vieille du tout, hein. Tu sais, avec ton père, on est très très actifs, hein. Ah, Burke! Mais non, me dites pas ça, je veux rien savoir. Ne rien savoir du tout. Oh, effacez-moi la mémoire, s'il vous plaît. On ne va pas rester là-dessus pendant 2 heures. Il faut savoir que ta mère, il va falloir beaucoup l'aider ces prochains mois car effectivement, elle est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, ou peut-être plus, hein, on sait jamais, hein, des jumeaux, des triplés, pourquoi pas. Ah non, hein, j'espère pas, faut quand même que je garde ma ligne, chérie. Hein. Oh, double Burke. Non, un enfant de plus dans cette maison. Non, non, moi je suis déjà assez bien toute seule. J'aime bien être enfant unique et pourri gâté. S'il vous plaît. Maman, fais quelque chose, je sais pas, va aux toilettes, pousse très fort, mais je ne veux pas d'une autre personne dans cette maison. Ah, moi, si c'est un chien, je suis d'accord, ou un chat, j'aime bien aussi les chats. Que tu le veuilles ou non, Lydia, le bébé va arriver, donc prépare-y toi, et bah, c'est tout ce qu'on voulait te dire en réalité. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que tu aides ta mère, hein, parce que c'est vrai que à son âge, avoir un enfant, ça reste une épreuve. Ah non, hein, toi aussi tu vas pas t'y mettre, hein. Bon, eh bien, moi je disparition, j'ai pas envie d'assister à votre dispute, je suis déjà découragée de savoir qu'il va y avoir un autre enfant. Et même pas, il me demande mon avis, hein. Même pas, il vient de me voir et me dire, Lydia, est-ce que ça te dit d'avoir un petit frère ou une petite soeur? Je sais pas, moi c'est comme ça qu'ils font les gens normaux, non? Et quelle idée aussi de tomber enceinte à cet âge-là, oh là là. Et puis en plus, je vais devoir aider ma mère H24 parce qu'elle est enceinte. Mais c'est ça, décision. Pas la mienne. Moi, j'ai jamais décidé que on devrait avoir une autre personne dans la famille. Et puis j'ai 46 cousins et cousines. C'est pas suffisant. Oh, c'est bon, je suis saoulée. Je sais pas ce que je vais faire. Tiens, je vais aller aux toilettes, ça va me déstresser un petit peu. Enfin, les cours sont terminés. Et Josh n'est pas venu en cours aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, quoi. Enfin, si j'ai un petit copain, c'est pour qu'on se voit quand même. Oh! Bon, j'ai pu enfin récupérer mon téléphone. Ça aussi, ça me saoule, là. Pourquoi dans les écoles, ils interdisent les téléphones portables? Bon, c'est pas grave. Quoi? J'ai reçu un message de Josh? Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que comme il n'était pas là aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle depuis 3 jours maintenant. Mais ça va, au moins, il n'est pas mort. Et qu'est-ce qu'il veut? Oh! Il veut qu'on se donne rendez-vous au fast-food. Il m'invite et il a quelque chose à me dire. Ah non, pas lui aussi, hein. Il va pas me dire un truc alors que c'est bon. Hier, je me suis déjà tapé la nouvelle de ma mère qui est enceinte. Et là, en plus, mon copain, je suis sûre, là, il veut que je vienne au fast-food pour me quitter. Enfin, je veux dire, s'il voulait pas me quitter, il m'aurait demandé de venir dans un resto 5 étoiles. Là, c'est pour être dans un fast-food. C'est parce qu'il en a vraiment, il s'en fiche, hein.
Bon, au moins, il me donne rendez-vous et je vais savoir ce qui se passe. En plus, le fast-food, il est juste à côté. Je vais aller le voir. Hey, Josh, pourquoi t'as l'air déprimé comme ça? S'il te plaît, Lydia, assieds-toi en face de moi. Ok, quelle ambiance, j'adore. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez tous là? Qu'est-ce qui se passe? Lydia, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir donné de nouvelles ces derniers temps, mais comment te dire que, en fait, j'ai une très mauvaise nouvelle de mes parents, et comme j'étais déprimée et très énervée, je voulais parler à personne. En plus de ça, mes parents, ils n'ont pas payé le wifi, donc voilà. Mais j'ai pas voulu t'en parler plus tôt parce que je pensais au début peut-être que mes parents, ils allaient changer ta vie. Mais ils n'ont pas changé ta vie, donc voilà, je dois t'annoncer quelque chose. Ah non, toi aussi tu vas pas commencer avec tes nouvelles, hein. Déjà que j'ai eu une très mauvaise nouvelle hier de mes parents qui m'annonçaient que ma mère, elle était enceinte. On me dit pas que toi aussi t'es enceinte. Quoi? Moi? Bah non, je peux pas être enceinte. C'est pas possible, je suis un garçon. Mais... c'est vrai que la nouvelle, elle est mauvaise. Là-dessus, t'as raison totalement. En fait, mes parents, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer dans un internat en Suisse. Parce qu'en fait, ils ont dit, de toute façon, toi, t'es qu'un wesh-wesh en Adidas. Et tes notes, elles sont très mauvaises. Et en plus de ça, t'as une mauvaise fréquentation. Hein? Nani? Mais Adidas, c'est trop bien. C'est mieux que de porter des Nike ou des Puma, non? Et puis, comment ça, mauvaise fréquentation? Les seules fois où tu sors de chez toi pour sortir, c'est avec moi. Et à l'école, pareil, on est toujours ensemble. Mais de quoi ils parlent, tes parents? Justement, ils parlent de toi. Apparemment, tu es une mauvaise fréquentation pour moi et que c'est à cause de toi, tous les malheurs dans ma vie. Donc, ils m'envoient dans un internat en Suisse. Et je sais pas pour combien de temps, mais tu ne me reverras pas et je ne te reverrai pas. Et ça m'a rendu triste, voilà, mais comme ça, c'est fait. Et comme je n'aime pas les au revoir, je n'aime pas les adieux non plus, eh bien, je pense que le mieux, c'est qu'on se quitte. Et que, comme ça, chacun vit sa vie de son côté. Parce que je t'avoue que je pense qu'il doit y avoir des jolies filles à cet internat-là. Et donc, je voudrais pas te blesser. Et donc, j'ai décidé que nous deux, c'était fini. Ah ! Mais là, je suis sous le choc ! Mais à quel moment, moi, je suis une mauvaise fréquentation ? Jamais de la vie ! On fait jamais rien de méchant ! On fait que discuter, aller au cinéma ! Et puis les mauvaises notes, arrête voir, hein. Je suis sûr que t'as dit ça à tes parents, là, que je te déconcentre, quoi. Mais t'as toujours eu des mauvaises notes avant moi. C'est quoi ce bordel? Et non, comment ça? Mais on peut avoir une relation à distance autant que tu reviennes. Mais moi, je t'aime, Josh. Non, mais faut vraiment que t'arrêtes de me hurler dessus, ça me stresse. Comme j'ai dit, je n'aime pas les adieux, j'aime pas les au revoir. Donc, je te dis rien, hasta la vista, et puis je m'en vais. Et en plus, il fait un backflip sur son siège. Mais, attends, je me suis vraiment fait quitter comme ça. Comme une pauvre vieille chaussette. Et il a le culot de me dire que je suis une mauvaise fréquentation. Qu'à cause de moi, il a des mauvaises notes. Il me met tout... Non, mais c'est pas possible, ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, c'est pas possible. Et puis d'abord, c'est toi la mauvaise fréquentation. Moi, je suis parfaite, tu entends? Parfaite. Et regarde tout ce que tu rates. Regarde-moi ce corps de rêve. C'est bien, vas-y. Va-t'en, espèce de fuyard. Je rentre chez moi. Et arrêtez de me regarder, vous, là. Allez, mangez vos Happy Meal. Et arrêtez de me regarder. Ah, je vais mourir. Ah. Oh là là, il fait... Mais combien de temps j'ai dormi? Certes, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur, il faut dormir, mais là quand même. Oh, j'espère que ma mère, elle m'a préparé mes pancakes bananes comme elle le fait tout le temps. D'habitude, ça sent le pancake à la banane. Pourquoi ça n'a pas d'odeur? Maman. Oh non, elle est en train de dormir encore. Bah, je vais la réveiller. Maman! Mes pancakes à la banane, s'il te plaît. Mais sont mes parents? Quoi? Ils ne sont pas là. Maman? J'entre, si tu es en train de me faire popo, j'entre dans la pièce. Non, non plus. Mais... en jardin? Non. Bah... dans le garage? Non plus. Maman?
Dans le frigo? Maman? Non plus? Dans le lave-vaisselle? Non plus? Dans le four peut-être? Maman, t'es dans le micro-ondes? Mais... Je... Maman? Sous le canapé? Derrière la télé? Non, non, mais... Mais wesh, elle abuse mes pancakes! Elle... Oh, peut-être dans la cabane? Oh non. Maman, papa, si vous faites des trucs dégueulasses dans la cabane, j'arrive! Non plus. Non, franchement, là, j'ai pas d'idée. Ils sont pas là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas mes pancakes à la banne. Je vais commencer ma journée. Je vais être très énervée. Oh. Bah, ah, j'ai pas vu qu'il y avait un mot sur le frigo. Il y a marqué quoi? Lydia, chérie, ton père et moi, nous sommes allés à l'hôpital parce que je vais accoucher. Et... Mais pourquoi ils m'ont même pas dit de venir? Eh, pour une fois que je peux entendre ma mère souffrir. Et ils vont même pas venir à l'accouchement. Je suis dégoûtée. Bon, je vais essayer de les appeler. Et ils répondent pas. Merci beaucoup papa, maman. Vous servez à grand chose. J'ai pas mes pancakes à la banane. Ma mère, elle va accoucher. Elle va venir avec un petit gollum là. Et parce qu'entre temps, j'ai appris que c'était un petit frère. Bon, c'est pas grave. Je vais profiter avant que ça pleure à la maison pour regarder un petit peu la télé. Parce qu'après, ça sera compliqué. Attendez, vous êtes déjà rentré? C'est déjà fini, mais vous êtes parti à quelle heure là? Parce que j'ai eu à peine le temps d'aller devant l'écran de télévision. Mais t'as fait quoi, maman? Tu l'as expulsé, le bébé? Je n'apprécie pas vraiment le ton que tu emploies avec moi. Je suis ta mère, Lydia. Chérie, n'oublie pas que c'est une ado en pleine crise d'adolescence. N'importe quoi. Les seules personnes qui font une crise d'adolescence ici, c'est vous deux. Mais à quel moment vous faites un bébé à cet âge-là? Vous voulez quoi? Être à la retraite et vous occuper d'un bébé? C'est bien, Lydia. Continue comme ça et tu seras privée d'internet. En attendant, tu vas aller à la voiture car on a acheté plusieurs cartons de Pampers pour ton petit frère Nathan. Il va falloir que tu les mettes tous dans la salle de bain. Et comme tu es une enfant et que Nathan aussi, tu vas dormir dans la même chambre jusqu'à que vous soyez... Enfin, jusqu'à ce que Nathan soit plus grand en tout cas. Et ensuite, vous allez changer de chambre et vous allez aller dans la grande chambre et comme ça, vous allez la partager. On n'a pas trois chambres ici, on fait avec les moyens du bord. Oh, ah non. Et c'est quoi toutes ces choses qu'ils ont pop là d'un coup là? C'est quoi cette chaise hôtelier? T'es pas là avant. Et puis ce tapis. Et puis ce lit. Et... Non, ne me dites pas que vous avez fait ça dans ma chambre. Non. Non, 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 non. Mais c'est... Non, ça va puer la Pampers dans ma chambre. Mais pourquoi vous avez mis la table de change ici? Non, mais c'est quoi? Non, s'il vous plaît. Je veux pas. Bon, ça, dans ma salle de bain, il n'y a rien qui a changé. Non, mais franchement, ils abusent. Pourquoi vous mettez pas le berceau dans votre chambre? Non, mais ils rigolent ou quoi? Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une grosse blague. Non, je ne veux pas être grande sœur. Je suis très bien, enfant unique. C'est bon, je vais aller chercher vos Pampers, là. Oh. Oh mon dieu, mais le coffre, il est rempli de Pampers, de lait. Oh, tuez-moi. Achevez-moi. Je sais pas qui a inventé cette règle, qu'il fallait donner des biberons et du lait au bébé, mais... Moi, je vais te faire goûter, tu vas voir un truc spécial, Nathan. Tu vois, parce que bon, hein, le lait est dégueulasse, là. Je pense que tu dois en avoir marre de toujours boire du lait. C'est affreux. Faut goûter aux joies de la vie. Tout ce qui est, tu sais, les fast-food, Big Mac, tout ça. Bon, t'as pas encore dedans. Donc, on va y aller léger. On va commencer par un milkshake chantilly chocolat. Bon, si tu veux la cerise, je la mange, là, parce que, ben, t'as pas dedans, quoi. Puis un oeil, vas-y, bois ça. Tu vas voir, c'est trop bon. Je rêve... Attends, tu es en train de donner quoi, là, à ton petit frère? Quoi, moi Rien de tout, je vois pas de quoi tu parles, j'étais en train de lui préparer un biberon. Chérie, je reviens, je vais voir si on a eu les résultats de l'analyse de sang de Nathan. Ça y est, elle est arrivée, super. On se... ouvrir avec ma femme.
Je ne pense pas que ce soit hyper intéressant, ça doit être des résultats lambda, quoi. Bon, je vais l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a écrit dessus. Alors, tout va bien ? Je pense ne pas avoir très bien compris ces résultats. Par rapport, par exemple, ici, sur cette ligne, par rapport à la moyenne, c'est beaucoup, beaucoup trop haut, je pense qu'ils ont dû se tromper. Écoute, chérie, regarde ces résultats et je pense qu'on devrait appeler l'hôpital pour comprendre. Je ne comprends rien. Attends, laisse-moi voir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Et pourquoi tu fais cette tête, papa? Oh, c'est beau, hein, c'est juste des résultats, ils ont dû se louper quelque part. Enfin, je veux dire, c'est l'informatique qui a dû envoyer cette lettre. Lydia, arrête de me déconcentrer. Je vais appeler l'hôpital tout de suite. Pourquoi ils sont tous sérieux comme ça? Tu vois, Nathan, c'est pour ça qu'il faut jamais devenir adulte, hein, parce que regarde ce que... Regarde-les, on dirait des ados. Donc, vous me confirmez que ces analyses sont exactes? Mais... Ça veut dire quoi pour Nathan? Ah, on doit venir à l'hôpital le plus rapidement possible. D'accord, bah écoutez, on se prépare et on arrive. Que se passe-t-il, chérie? Je n'ai pas entendu ce que le médecin a dit. Ils ont dit qu'il fallait qu'on aille absolument à l'hôpital, que... il y avait un problème avec son analyse, que son sang n'était pas bon, et qu'il fallait certainement faire une transfusion sanguine. Et pour cela, il faut qu'on aille directement sur place avant qu'il ne soit trop tard. Vite! Prenons Nathan et allons à l'hôpital, et il faudrait qu'elle nous accompagne aussi. Tu es sûre de vouloir que Lydia vienne nous rejoindre parce qu'elle risque plus de poser problème qu'autre chose? Oui chérie, tu sais bien que Lydia est très importante dans la vie de Nathan, et on sait jamais ce qui peut se passer aujourd'hui, donc autant l'emmener. Je vais préparer les affaires et toi préviens-la. Ah, oh, pourquoi mes parents, ils en font tout un plat, là? Moi, j'avais envie de rester à la maison. J'avais pas envie de partir. Là, je vais nous taper l'hôpital. Je suis sûre qu'il y a au moins 46 000 ans d'attente avant qu'ils nous prennent en charge. Oh, je vais m'emmerder grave à cet hôpital. Franchement, j'étais bien, moi, à la maison. Je suis sûre, en plus, il a qu'une grippe ou je sais pas, moi, un truc comme ça. Et connaissant mes parents, ils s'affolent pour rien. C'est sûr. Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire. Là, le médecin a l'air assez réconfortante, non? Quoi? Mais pourquoi ils font... Mais... Non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma mère, elle pleure? J'aime pas la voir pleurer, en vrai. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais je... Mon dieu, je pense que je vais aller les rejoindre. Il faut vraiment que je sache qu'est-ce qui se passe là, ça me stresse trop. J'ai trop peur pour Nathan là d'un coup. Papa, bonjour madame. Désolée hein, de m'incruster, mais là vraiment, je vois un train derrière la vitre là et ça me stresse beaucoup, donc il fallait que je vous rejoigne. Lydia, on va dire que tu tombes à pic. Parce que ta mère et moi, nous devons te parler d'un énorme secret. Je vais aller chercher madame, comme ça elle va pouvoir venir ici et je vais vous laisser discuter en privé. Vous me faites peur là, arrêtez. Chérie, je pensais qu'on ne serait jamais obligé de lui annoncer la vérité, mais on n'a vraiment pas le choix. Il faut qu'elle le sache. Oui, tu as raison, elle a le droit de savoir. Écoute Lydia, en fait, nous ne sommes pas les parents de Nathan. Quoi? Vous l'avez volé, c'est ça? Non, mais je suis sûre que vous l'avez volé. Je me disais bien que Nathan, il vous ressemblait pas du tout. Et puis... Mais c'est pas grave. Moi, je l'aime, Nathan. Et donc, même si vous l'avez volé, c'est pas grave. Mais du coup, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. La seule personne qui peut donner son sang pour la transfusion sanguine de Nathan et de lui sauver la vie, eh bien, c'est sa mère. Ou son père. Ça veut dire que Nathan, il est condamné? À moins que vous connaissiez l'identité de ses parents? C'est exact, ma fille, mais nous connaissons l'identité de ses parents, et on va dire que... on connaît très très bien la mère de Nathan. Vous connaissez bien l'identité de la mère? Non, me dites pas que c'est Madame Crotte! Elle est vieille! Elle a eu un enfant, elle, à son âge! Non, Lydia. En plus, Madame Crotte, elle a 99 ans, mais qu'est-ce que... Mais c'est pas possible, quelqu'un t'a fait pipi dans la tête! Non, la mère de Nathan, c'est toi, Lydia, c'est toi, sa mère. Non, arrêtez, elles sont où les caméras, arrêtez ce prank, c'est ridicule. Vous avez mis le médecin dans la confidence pour ce prank, c'est ça? C'est ça, vous êtes... Ah, oh, je suis sûre que vous êtes en train de filmer une vidéo TikTok.
Non mais c'est bon, arrêtez, arrêtez, c'est bon, c'est pas drôle, ça va 2 minutes. Écoute-moi bien ma fille, je vais te raconter ce qui s'est passé il y a 8 mois. Ton père et moi, nous étions tranquillement en train de regarder un film. Je crois que c'était Netflix et on regardait les Teletubbies. Et soudainement, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Nous n'attendions personne ce soir-là, donc ton père a décidé d'aller ouvrir au cas où c'était un tueur ou un voleur, je ne sais pas. Je me suis cachée derrière le mur au cas où et ton père est allé ouvrir. C'était Josh, ton ex, donc ton père l'a invité à rentrer bien évidemment pour pas qu'il ne reste sous la pluie. Surtout qu'apparemment il avait une grosse annonce à nous faire. Ce soir-là, il est venu nous annoncer qu'il était enceint de toi. Oui, Lydia, il était enceint de toi et que ses parents n'étaient absolument pas d'accord pour qu'il garde cet enfant. Mais lui, il voulait vraiment le garder. Enfin, du moins, arriver jusqu'au terme de l'accouchement. Mais ensuite, qu'il ne pourrait pas garder l'enfant. Donc, on a discuté avec lui et on a convenu qu'on allait lui payer un internat dans un autre pays. Et qu'ensuite, nous allions récupérer l'enfant si bien évidemment, il était d'accord. Comme il n'avait pas vraiment le choix et que ça l'arrangeait parce qu'il voulait de toute manière changer de pays, il voulait aller aux États-Unis pour pouvoir faire des études. En échange d'argent, il a accepté ce deal. Nous avons appelé les parents de Josh qui ont été plutôt contents et gagnants dans cette affaire. Ils ont accepté car ils ne voulaient pas que Josh, brise sa vie en devenant papa à cet âge-là. Donc ils ont accepté et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Oh non, mais moi je veux pas être mère à cet âge-là, je n'en veux pas, je l'aime bien comme petit frère, j'ai pas besoin que ce soit mon fils. C'est exactement pour cette raison qu'on a décidé que tu n'avais pas besoin de savoir tout cela et que tu devais continuer ta vie d'adolescente comme tu le faisais déjà. Et j'espère que tu nous en veux pas. Non, en fait non, je vous en veux même pas, c'est ça le pire, parce qu'en fait vous avez bien fait de faire ça, je sais pas comment j'aurais réagi sinon. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi le but? On en vient au fait qu'il faudrait que tu donnes ton sang pour ton fils pour qu'il puisse survivre. D'accord, mais seulement à une seule condition. Laquelle? On t'écoute. Déjà, vous arrêtez de dire que c'est mon fils. Je veux que ça reste mon petit frère, quoi qu'il arrive. Parce que je l'aime, mais que comme petit frère, hein, pas comme fils. Et je serai d'accord. Ça tombe vraiment bien, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on voulait te proposer. On voulait te demander si tu étais bien d'accord de donner ton sang à ton petit frère, et que si ça t'allait, eh bien, on allait continuer notre vie, comme si c'était ton petit frère également. Ah, je suis rassurée, ça me convient 100%. Par contre, je voulais quand même vous dire une chose, c'est que vous n'étiez pas obligé de me raconter cette histoire. Vous n'aviez qu'à venir me dire qu'il y avait seulement mon sang compatible avec celui de mon petit frère, et j'aurais jamais besoin, en fait, de savoir que c'est moi la mère. Mais... Attends, chérie, mais en fait, t'as la raison. Pourquoi on lui a raconté l'histoire? Elle n'était pas obligée de le savoir. Oh non. Allez, c'est fini. Générique de fin. Écoutez-moi bien là, je veux récupérer mon fils, c'est le mien.